Bonjour à toutes et à tous. C'est un plaisir de vous retrouver par ici pour clôturer en beauté cette semaine. Oui, on l'a démarrée ensemble, on va la clôturer ensemble. Oui, je sais, je vous donnais déjà rendez-vous par ici pour la semaine prochaine. Mais bon, que voulez-vous, hein? Que voulez-vous? Nous sommes là pour vous servir et pour vous faire plaisir, tout simplement. Nous sommes vendredi. Par ici, les vendredis, on monte les décibels. Nous parlons également bien-être, puis de la littérature. On va développer tout ceci, mais avant, on va s'installer avec Dio, un titre de Vano Baby. Roxy on the mix. Si tu veux de music, alors à mon hôtel, oui, on va nous lever, nous y est. Il est au dernier jack bolly, va bien nous y est. Fire away, we're gonna go to hell. Check what I do now, I'm a phone. I love them on the tiny, I know the jacky, but you don't tell me to pull it up your way. Fire away, we're gonna go to hell. Check what I do now, I'm a phone. Look where I'm going to be. But I'm not saying I can't. Hallelujah, amen. Dio, ce sont les mêmes que t'appelles tes amis, que t'appelles assos, que t'appelles tes frères. Attention, tous les jours à fond ensemble, sauf à tes mains. Mettre la famille à l'abri que le héros t'a tes mains. Tu cherches ton pain quotidien et peut-être celui de demain. Et ne réveille où, ben y'a un poison là en tes mains. Alors y'a mon antenne, y'a ouais, non, les veines, oui, yeah. Il y'a un jack pour les voix bien, nous, yeah. Fidé à ouais, on va le goût, non, ouais, nous, je vois ta lettre, non, ouais, m'en faut nous dé. Alors, y'a mon antenne, y'a ouais, non, les jacquillés, bah. Y'a l'autre, 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 mon mot chéri, alléluia, amen. Je m'ai négligé, oui, belle, ça quand on a tato d'ado. C'est que vite, pour nous, beaucoup de gens, oui, donc, ben, me veu. Every day, à l'autre, à tout, mais, pa, mais, sauf à tout, mais, ouais, mon envie, ouais, y'en a des maus, ça, l'autre, ouais, non, ça, mais, les matons, ça. N'est la situation, ouais, qu'est-ce que t'as, non, moi, pas. Ta joie de vivre, ouais, on voit qu'un robot. Ils prédisent ta mort, ils prédisent ta mort. Ne boite, ouais, non, ça, mais, les matons, ça. N'est la situation, ouais, qu'est-ce que t'as, non, moi, pas. Ta joie de vivre, oiseau moqué le pas. Il prédit sa mort. Alors y'a mon antenne, y'a ouais, non, les venouillés. Haut de la route, y'a l'autre, y'a l'autre, y'a l'autre, y'a l'autre, ils vont nous. Puis y'a ouais, y'a l'autre, y'a l'autre, y'a l'autre. Je vois ta lettre, y'a ouais, m'en vaut nous. Alors y'a mon antenne, y'a ouais, non, les jacquillés. Y'a l'autre, y'a l'autre, y'a l'autre, y'a l'autre. À l'instant donc, Dio de Vano Baby. Dio pour dire change. En gros, il faut retenir que l'artiste raconte un passé difficile, mais qui a pu impacter l'avenir positivement. Dio, un clip dont le message est sans doute commun pour beaucoup de jeunes qui ont connu des passés difficiles, mais qui finalement ont pu s'en sortir. Alors, après cette douceur, on va parler bien-être. Bien-être avec Audrey Mbenga, j'espère que je prononce bien le nom. Mbenga, oui, c'est ça. Mbenga, qui nous parle de cohérence cardiaque. Mbenga. Audrey, bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Très bien, merci. Et vous? Ça va très bien. Vous êtes toujours souriante comme toujours. Ça? Toujours. Toujours? C'est parce que vous parlez toujours de bien-être ou quoi? C'est sûrement ça. D'accord. Et comment se prépare le week-end déjà? Parfaitement bien. Oui, c'est d'accord. La fin de semaine, c'est bien. D'accord. Alors, je le disais à l'instant, on s'intéresse ce midi à la cohérence cardiaque. Exactement. Déjà, la cohérence cardiaque, c'est quoi?
Qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est une technique de bien-être. Quand, par exemple, on parle de cohérence cardiaque, qu'est-ce que ça vous évoque? À quoi ça vous fait penser? Moi, je pense au cœur. D'accord. Donc, cohérence, je me dis tout ce qui va bien avec le cœur. Oui. Je définis comme ça. C'est ça. Moi. Alors, c'est une technique de respiration qui fait du bien au corps et au mental. D'accord. Au corps, déjà, ça va faire du bien parce que ça va réguler la tension artérielle. C'est pour ça qu'on parle de cohérence cardiaque. Ça permet de, vraiment de réguler le rythme cardiaque. Ça va agir aussi sur les douleurs chroniques, en diminuant les douleurs chroniques. Il y a aussi un effet sur le métabolisme et donc sur le poids, puisque ce qu'on ne sait pas, c'est que le poumon est le premier organe extracteur de graisse. Donc la cohérence cardiaque va permettre de réguler tout ça. Et au niveau mental, ça va permettre de réduire le stress, donc l'anxiété aussi, favoriser la mémoire, favoriser le sommeil également. Donc c'est vraiment quelque chose qui a plein de bienfaits. Donc c'est un exercice. Tout à fait. Ok. Alors, comment fait cette cohérence cardiaque? C'est un exercice déjà, cette cohérence cardiaque. C'est un exercice qui est naturel, qui est gratuit, qui ne demande pas de prédisposition. Alors, comment on le fait? Il y a une méthode qui s'appelle 3-6-5. 365, ça permet de s'en souvenir facilement. Le 3, c'est pour le nombre de fois par jour. Donc, on peut le faire 3 fois par jour. Le matin, au réveil, ensuite à 11h et ensuite vers 18h. Voilà. D'accord. Alors, Audrey, vous n'êtes pas seule sur ce plateau, tellement j'avais envie de parler de bien-être que j'ai oublié de présenter aux téléspectateurs qui pourtant les voient sur ce plateau. Oseni Yaya, bonjour. La sublime, ravissante, pourquoi vous avez choisi une couleur bleue alors que je suis en bleu? Non, c'est l'amour. C'est l'amour. C'est l'amour. Ça participe aussi au bien-être. Évidemment, parce que le battement du cœur, ça participe au bien-être. Sans amour, il n'y a pas meilleur battement. D'accord. Et votre invité ce midi dans Ma Plume, Ta Voix, Marcel Padé. Marcel, bonjour. Bonjour. Un plaisir de vous recevoir sur notre plateau, le rendez-vous de midi. Et moi aussi, c'est un plaisir d'être avec vous. Alors, quand on parle de cohérence cardiaque, vous avez entendu Audrey tout à l'heure donner quelques définitions de la cohérence cardiaque. Au Seni Yaya, est-ce que vous connaissiez la cohérence cardiaque? Vous connaissez cet exercice-là? J'avais entendu parler. J'avais entendu parler. Ce sont des astuces qui permettent au cœur de bien fonctionner, de retrouver son équilibre, une certaine harmonie, parce que des fois, il peut y avoir des phasages dans le battement du cœur et tout, dans les palpitations du cœur, des maladies du cœur. Donc, je suis sûr que c'est un exercice qui va permettre de retrouver son harmonie, certaine sérénité pour mieux vivre et bien vivre. D'accord. Marcel? Non, moi, c'est quelque chose que j'apprends aujourd'hui. Mais seulement je sais que le cœur est un organe moteur dans la vie d'un être humain et il faut en prendre le plus grand soin. Exactement. D'accord. Et d'accord. C'est ce qui est bien justement, c'est que donc, comme je disais, 365, 3 fois par jour, 6 minutes, enfin sur une minute on va le faire 6 fois, et respiration, on inspire 5 secondes et on expire 5 secondes. Voilà. Et ce qui est bien, c'est que c'est tout le monde qui peut en bénéficier, même les bébés. Alors vous allez me dire, les bébés, c'est pas évident. Mais il suffit de mettre l'enfant sur soi et de respirer pour lui. Et lui, il va avoir tendance à se synchroniser. Donc, c'est vraiment très, très efficace. Donc, à vous entendre, on comprend que tout le monde peut faire cet exercice-là. Tout le monde peut pratiquer la cohérence cardiaque. Exactement. Ouais. C'est recommandé par les médecins. Et c'est vraiment une technique de bien-être reconnue. Et ceci est sans risque sur l'organisme de celui aucun qui risque. Pratique okay. Pas d'effet indésirable, complètement naturel. Vous avez parlé de 3 fois par jour, mais ça dit que si on essaie de cela, cela peut nuire à notre santé? Non, pas du tout, mais c'est un minimum. Les 3 fois par jour, c'est un minimum. C'est vrai qu'effectivement, la respiration, c'est le système nerveux autonome qui s'en charge. Mais des fois, il est important, quand on est un petit peu pris par le quotidien, quand on est stressé, quand on sent les palpitations, etc., de reprendre le contrôle de ce système nerveux à travers la respiration pour revenir dans un état de sérénité. Voilà. En termes pratiques, si on va aller vers la pratique là tout de suite, vous pouvez nous montrer comment est-ce que cela se fait? Bien la sûr. Cohérence, allez-y. Bien sûr. Allez-y. Alors, je vous invite à faire plusieurs respirations. Donc, allez-y, on va commencer. Chers amis, Marcel et Oseni Yaya, vous allez faire ensemble avec Audrey. Vous allez inspirer sur 5 temps, puis expirer sur 5 temps.
Vous l'avez fait là? Je vous invite à le faire. Vraiment des respirations profondes. Vous pouvez expirer par la bouche. 1, 2, 3, 4, 5. Pourquoi il ferme les yeux? Je ne sais pas. D'accord. D'accord. Et après ça? Et après ça, vous allez voir tout de suite que vous allez vous trouver beaucoup plus sereine. Vous allez être beaucoup plus dans l'instant présent, dans la détente, effectivement. D'accord. Est-ce qu'on peut aussi pratiquer cet exercice-là, par exemple, quand vous êtes énervé, vous vivez une situation embarrassante, vous allez simplement pratiquer cet exercice-là? Exactement. D'accord. Tout à fait, d'accord. Tout à fait. C'est très utile et ça fait partie des outils bien-être, des outils concrets. Parce que quand on parle de bien-être, des fois, c'est un peu trop théorique. Et c'est important d'avoir de la pratique, des outils qu'on peut garder, qu'on peut avoir en tête pour aller toujours bien. Audrey, on va ajouter un thème d'avantage avant de clôturer. Les avantages, donc, au niveau du corps et du mental. Mmh. Au niveau du mental, donc, comme on a dit, hein, réduction du stress, de l'anxiété. On agit aussi sur la mémoire. On agit sur le sommeil également pour les personnes qui ont du mal à dormir. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est global. Et puis, donc, sur le corps, au niveau de la tension artérielle, au niveau du poids aussi. Mmh. Et donc, au niveau des douleurs chroniques aussi. Mmh, d'accord. Voilà. Audrey, merci. Avec vous, on parlait donc de la cohérence cardiaque. Merci. Faites la cohérence cardiaque 3 fois par jour en inspirant et en expirant à la suite. Merci Audrey. Merci. J'espère que vous avez retenu quelque chose de vos Yaya. On a appris parce que c'est la vie. Mm-hmm. Parce que c'est là. C'est la vie. Marcel. Là, j'ai encore appris quelque chose de nouveau aujourd'hui et je vais rajouter à ce que je sais déjà. D'accord, d'accord, c'est bien. En tout cas, sans la santé, franchement, on ne serait pas sur ce plateau. Donc, évidemment. Le bien-être favorise la santé et si on peut le faire, il faut le faire. Là, c'est même pas et si, il faut simplement pratiquer cet exercice-là pour aller bien dans sa peau et dans son entourage. Audrey, merci, mais vous restez avec nous. J'espère que vous n'êtes pas pressé ce midi. Ça va. Il est l'heure de parler littérature dans Ma Plume, Ta Voix. Hossein Yaya, je le disais, ce midi, nous recevons Marcel Padé pour parler de la spiritualité. C'est bien le lien entre la spiritualité réelle et la création. Et la création. Poétique. D'accord. D'accord. On y va. Avant de commencer, je peux vous dire que j'ai été favé. Je viens de découvrir, c'est vrai, je connaissais le musicologue, l'auteur, compositeur, interprète, ingénieur du son, mais là je découvre un narrateur, un poète, parce que c'est une poésie assez immargée. Vous voyez par exemple de la première de couverture, c'est Les yeux du bonheur, le titre, et puis à travers les yeux perçants d'une fée, au regard perçant et dans une couleur arc-en-ciel que naît ce bonheur-là. Donc, c'est un ouvrage qui contient une cinquantaine de poèmes. 100 pages subdivisées en 4 parties. Donc, avant de commencer de donner la parole à l'auteur qui, moi, m'a bercé, ce matin, par exemple, je me suis réveillé tôt, je suis resté dans la cour, j'ai lu. Je crois quand même qu'en lisant, des personnes sont sorties de leur chambre et disent « Qu'est-ce que le gars là a aujourd'hui ?» J'ai vraiment voyagé à travers les danses des mots, les chants des mots. C'était puissant parce que la thématique phare de cet ouvrage est ici autour de l'amour. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'il faut la boire sans modération. Mm-hmm. Voilà qui ne fait pas du mal. L'amour est une berceuse qui ne fait pas du mal. On peut la boire encore et encore et encore. Attendez la Saint-Valentin. Oui, donc je peux vous dire que c'est la dernière fois. Et puis c'est ce qui est intéressant, c'est la première fois que nous recevons un poète sur ce plateau. Mm-hmm. Je peux vous dire que c'est le meilleur cadeau à offrir à une personne qu'on aime. Parce qu'il parle aussi bien des hommes que des femmes, à travers de l'amour, les idylles, les déceptions, les caprices. Quand vous lisez cet ouvrage, vous allez forcément vous retrouver dans cet ouvrage-là. Donc les thématiques sur lesquelles il s'appuie, il y a le temps, l'amour, l'enfance, le vent, la nature, la pluie, la paix, des conseils assez importants. Donc ce qui montre que l'auteur est très attaché aux valeurs, il est au cœur de la nature, c'est un élément naturel, il observe. Et ça ne m'étonne pas parce que
à travers les vers impairs et impairs, le mariage des vers pairs et impairs, les assonances de l'allitération, des figures de style, je peux vous dire que si vous adorez la poésie, vous allez en raffoler. Revenons à l'auteur. Mm-hmm. C'est un monument, parce que ceux qui le connaissent, c'est un monument en matière de musique. Et ça ne m'étonne pas qu'il soit aussi brillant poète, parce que j'estime qu'un musicien, c'est d'abord un poète. On va revenir au thème pour ne pas que je coule les larmes, parce que j'ai été très ému, j'ai la chair de poule là. Selon vous, quel est le lien entre la spiritualité et la création poétique? D'abord, je vous dis merci de m'avoir invité sur ce plateau. Tout le plaisir est pour nous. Il est bien partagé. Bon, en fait, la poésie fait partie des œuvres de l'esprit. Mm-hmm. Donc, on ne peut pas être poète si on n'a pas un esprit tout à fait spécial qui habite en vous, mm-hmm, et qui vous met en transe, en fait. Mm-hmm. Et cette transe vous conduit inexorablement à penser, à avoir des sensations, mais ensuite de les cocher, parce qu'il faut se libérer de cette transe en écrivant ces vers, ces mots qui vous viennent à l'esprit et qui n'attendent que d'être libérés. Donc forcément, il faut être habité par cet esprit-là pour être poète, pour être écrivain, même pour être musicien, enfin pour être aussi un adepte des œuvres de l'esprit. Mmh. Donc, n'importe qui ne peut pas, disons, se prévaloir de ce talent. D'ailleurs, même que ce n'est pas quelque chose qu'on achète. Mm-hmm. C'est inné en nous. Il y a certainement dans chaque être humain un esprit, ce que certains appellent les muses, mm-hmm, mais qui vous accompagne tous les jours de votre vie, mm-hmm, et qui vous aide à vous exprimer, qui réveille en vous justement ces talents qui dorment, qui ne demandent qu'à s'exprimer. Et donc chaque fois que cette transe arrive, on doit écrire quelque chose. Ça me plaît de vous voler la parole après que vous parlez. Vous avez dans un de vos travaux, vous avez montré qu'il y a dans le fa, il y a un langage musical. De quoi il s'agit? Mais ça c'est l'objet d'un mémoire de maîtrise que j'avais fait en France, quand je faisais mes études en musicologie. Mais disons que cette recherche-là a pris du poids, est arrivée à l'aboutissement quand je suis revenu au Bénin. Et donc, quand on observe les signes du Fa, on va se rendre compte qu'on est dans un monde de dualité. C'est-à-dire qu'on a deux entités, on a deux quantités. Mmh. Et en musique aussi, c'est pareil. Que l'on soit dans le contexte africain ou dans le contexte occidental, on a deux quantités, ce que nous appelons des intervalles pour ceux qui comprennent la musique. Mm-hmm. Et donc, quand on va associer, disons, ces intervalles-là au signe du Fa, on va trouver donc cinq sons. Wow. Cinq sons pour chaque signe. Or, vous savez, le Fa, pour délivrer un message, a besoin de se combiner. C'est-à-dire qu'un signe va se combiner à un autre pour donner une réponse à une question posée. Et donc, quand on va associer ces deux signes-là, il va avoir le son de liaison entre les deux. Ce qui fait qu'on n'aura pas 10 sons, mais 9. 9, d'accord. Ah. Donc, ce qui nous permet d'arriver à constituer ce qu'on appelle une gamme. Et donc, pour les 256 signes du Fa, on trouve 256 gammes dans chaque type de civilisation. C'est-à-dire que si on se confère à la civilisation africaine, on va trouver 256 gammes, mm-hmm, et à la civilisation occidentale. 256 gammes. Donc c'est une richesse pour le musicien de pouvoir maintenant composer de la musique, wow, avec un ensemble de ces sons, plutôt que de s'échiner à faire des exercices quand on a seulement 7 sons. Mm-hmm. Est-ce que vous voulez 9 ou 7? C'est un choix. Donc, moi, je pense que c'est une nouvelle aventure qui commence pour les musiciens, pour les compositeurs, pour tous ceux qui sont impliqués dans l'art de la musique, de voir vivre une nouvelle aventure d'écriture et de chant. D'accord. Que pensez-vous de la force de la parole? Mais la parole est, comme vous le dites si bien, c'est vraiment une force.
qui peut vous réduire à néant, comme cette force-là peut vous élever. Donc, la parole est toujours quelque chose de... C'est une arme qu'il faut manipuler avec précaution pour ne pas blesser, pour ne pas tuer. Parce que la parole aussi, c'est ce qu'on appelle chez nous « B ». Bessa, c'est-à-dire quand on vous envoie ces paroles qui sont des incantations, ça peut vous tuer ou ça peut complètement vous envoyer, vous rendre fou, je veux dire. Donc, la parole, c'est une arme donc, de destruction, comme on peut dire. De construction. Et de construction, merci. Et donc, il faut savoir parler, il faut savoir dire les choses pour ne pas choquer. Donc, c'est pas pour rien que les anciens ont dit qu'avant de parler, il faut tourner sept fois sa langue dans la bouche avant de le faire. Vous voyez que vos cheveux cotonneux peignent à suffisance votre personnalité. Vous êtes un porteur de valeurs et c'est dire assez dans cet ouvrage. Vous parlez de modestie, vous parlez d'humilité. Vous parlez aussi de l'existence des esprits. Vous croyez en l'existence des esprits? Moi, j'y crois. Dur comme fer. Wow. L'amour revient encore et encore. Selon vous, l'amour signifie quoi? Mais l'amour, c'est la vie. C'est-à-dire quand on a besoin de se sentir aimé, on a besoin aussi d'aimer, de pouvoir partager avec l'autre qu'on a en face. Donc, sans amour... Il n'y a pas de vie. Enfin, vous savez, il y a un moment où il y avait ce slogan, « Faisons l'amour, pas la guerre ». Tout à fait d'accord. Parce que s'il n'y a pas l'amour, le monde sera toujours... en train de se déchirer. C'est clair. Et donc, ce n'est pas pour rien qu'on prône les valeurs d'amour, de rapprochement des peuples, de communication. Puis tu as trouvé toujours le terrain favorable pour échanger. Parce que la vie, c'est quoi? C'est aussi un parcours. Je vous rencontre aujourd'hui. Nous allons cheminer pendant un certain nombre de temps. Et s'il n'y a pas l'amour, nous ne pourrons pas faire ce chemin-là. Donc, moi, je pense que l'amour, c'est toujours quelque chose qui est indispensable à notre bien-être. Ça nous permet aussi d'être en communication avec les autres et de faire quelque chose de, justement, de cohérent. L'amour, d'ailleurs, je voudrais de ne pas vous laisser lire des extraits, quelques petits extraits de votre livre, parce que même vous avez parlé avant de Guy Lady. C'est quoi Guy Lady? Je vais quand même vous lire le tout premier. Aimer. Voilà. C'est aimé, quelque chose comme ça, c'est aimé. Le tout premier. Une personne pour aimer. D'accord, une personne pour aimer. Pendant des années, j'ai cherché mon amour sans espoir de le trouver. Quand le soleil se lève, je fais le tour de la ville, je ne le trouve point. À tous les flics du quartier, je signale mon amour. Ils me répondent en cœur, je ne connais pas, jamais vu. Et pourtant, je cherche l'amour qui fera vibrer mon cœur. L'amour est une quête. Perpétuelle. Perpétuelle, c'est tellement beau. Pour tous ceux qui ont des personnes qu'ils aiment, ça peut être des enfants, ça peut être un ami, parce que vous parlez aussi bien d'amour que d'amitié. Je crois que c'est un joyau à offrir. Et le 14 février s'amène, et puis chaque jour doit être le 14 février. Absolument. Donc cet ouvrage est à acheter et d'accord, à offrir à une personne aimée. D'accord. Merci, Oseni Yaya. Je sais que quand il s'agit de littérature, on ne peut vous arrêter, mais ce n'est pas bien grave. J'allais ajouter, l'amour est au cœur et au centre de toutes choses. Et ce n'est pas pour rien que toutes les religions du monde prônent et demandent à ce que les fidèles soient en amour, aiment, donnent de l'amour autour d'eux. Donc, l'amour, sans l'amour, en fait, on ne peut même pas être sur ce plateau. Sans l'amour, il n'y a pas de bien-être, n'est-ce pas, Audrey? Pardon, avec la cohérence cardiaque. Toujours. Le cœur qui est le symbole de l'amour. Oui. D'accord. Et c'est parce qu'on s'aime
quand on veut rester en bonne santé. Et c'est parce ça. Qu'on veut rester en bonne santé, on va appliquer les conseils de Audrey. Exactement. Pour la cohérence cardiaque. Oseni Yaya, merci. Marcel Padé, merci. C'était un plaisir. J'espère qu'on aura l'occasion de vous inviter encore à nouveau par ici. Surtout sur notre challenge du mardi. Je pense que Marcel serait un très bon candidat. Alors, je ne sais pas pour vous, chers amis, mais il y a quelqu'un sur ce plateau qui, le dimanche prochain, puisque c'est déjà le week-end de toutes les manières, va célébrer un an de plus. À votre avis, c'est qui? À votre avis, c'est qui? C'est mon hôte. C'est votre hôte? Oui. D'accord, d'accord. Donc, Oseni Yaya, on sert où? On coupe le gâteau où le dimanche prochain? Il fait toucher. Où vous voulez. Joyeux anniversaire, en tout cas, par anticipation à vous, Oseni Yaya, puisqu'on ne va pas se revoir avant le mardi. C'était un plaisir et je vais vous souhaiter un bon week-end, chers amis. À votre suite, on va monter les décibels avec Marcela Rossi et son invité. Voilà, Marcela Rossi qui s'installe. Merci Marcel. Ah bon, deux Marcel. Un Marcel cache toujours un autre Marcel. Marcel Padé, à bientôt. Alors Marcel, bonjour. Oui, venez, venez, installez-vous. Marcel, bonjour. Rebecca, bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Très bien, merci. Un plaisir de vous revoir par ici. Plaisir toujours partagé. Nous recevons qui dans Décibel ce midi? Eh bien, nous recevons la professionnelle de la communication qui a été définitivement colonisée par la musique, Constance Apalo, et donc depuis et désormais chanteuse, artiste, et ici aussi. C'est bien ça. Et ici, c'est son nom d'artiste. Bonjour. Bonjour Marcel. Bienvenue. Merci. Bonjour Rebecca. Bonjour ici. Vous allez bien? Je vais très bien. D'accord. Donc, je disais que Constance Apalo est devenue depuis Eissi. Tu auras bien expliqué ce que ça veut dire Eissi à Rebecca Kanyaoundé. Moi, je le sais déjà. Mais avec plaisir. Eissi, c'est juste les initiaux de mon nom et prénom. Mm-hmm. À l'état civil, je suis Constance Apalo. Mm-hmm. J'ai pris le A de mon nom, qui est Apalo. A. Ok, A, oui. Qu'on dit en anglais. Mm-hmm. Ça va faire quoi? Et. Ok. On va prendre Constance. Ok. Le C. Si. Ça fait si. Mmh. Bravo. Oh. Alors ça fait A. Si. Alors au lieu d'écrire assez simplement, on l'a écrit au son. Et voilà, pour que les gens puissent bien cerner. Ça fait E, I, tréma, deux S, I. Et ici, tout simplement. Voilà. Pour aider tout le monde. Ben, elle traîne donc depuis bien d'années dans ce domaine avec sa maîtrise en communication. Et puis, tous tes autres talents étant enveilleuses désormais, on va respirer musique comme on sait le faire ici tous les vendredis. Et c'est d'ailleurs le bien fondé de cette rubrique Décibel. On va commencer par monter tout doucement avec ton morceau. Qui t'a révélé? Pour moi, c'est celui-là même qui te révèle en musique. Tité. Yo no go, yo no te o na nyende. Ah, we must.
est ici? Fofundote. Ouais. Pour dire tant qu'il y a la respiration, tant qu'il y a le souffle de vie, il y a toujours de l'espoir. Tant qu'il y a la vie. Tant qu'il y a la vie, exactement. C'est un chant d'espoir, c'est un morceau d'espoir. D'accord. Oui, moi j'ai particulièrement une partie dans la chanson, là où tu commences par dire, je ne comprends pas bien Marie, mais je vais quand même essayer. Ohi un pono fono lobewe mantoiha. Besungi dewe, zamanko dewe, bono do hlon hlon, gaona wakuli. Bosena idee, lozuma kion fagbe tomono jota, zume miode. L'onon kanfion, oni mono javla, chouzana do andona kinte. Voilà, c'est un passage qui me touche particulièrement parce que je me dis, dedans, ça joue vraiment son rôle, ça vous encourage, ça vous pousse, justement, ça vous pousse. Et si vous essayez de comprendre un peu, ça peut vous donner de la chair de poule. Oui, tout de suite, là, même à l'entendre, moi, j'ai déjà la chair de poule. Sa voix, déjà, me donne la chair de poule. Et quand je vais mieux comprendre ses paroles, je suis sûre que cette combinaison-là, waouh, franchement. Et donc, depuis ce morceau, il y en a eu bien d'autres. Nous étions en 2019, c'est bien ça. Janvier, je me rappelle que vendredi dernier, oui, ça doit faire exactement combien ? 5 ans. 5 ans. 5 ans. Exactement. Que ce morceau était sorti. Oui, donc voilà. Nous sommes juste... Et puis, juste après ce morceau, il y a eu d'autres événements dont vous vous souvenez certainement. Bien sûr. Pas forcément heureux. Juste après ce morceau, juste après le lancement de ce morceau, un événement pas heureux. Ah, ouais, hein, bien sûr, je le sais. J'ai perdu désolé, mon papa. Hein, oh là là, désolé. Personne. Juste après mon concert de lancement, avec ce morceau... quelques jours après mon concert, papa nous a laissé. Oh là là, oh là là. Et voilà. Ouais. Hier, ça va faire exactement 5 ans également qu'il nous a laissé. Donc à chaque fois que ça fait 5 ans, vous écoutez ce morceau, vous pensez tout de suite à papa. On ne va pas pleurer sur le plateau. Non, non. On va y aller parce qu'il y a bien d'autres personnes, bien d'autres événements heureux qui ont suivi tout cela. Des personnes aussi comme elle qui essaient de nous pousser, de la pousser aussi, qui ont de beaux témoignages sur elle. Est-ce que tu te souviens qu'à l'occasion du lancement de Tité, j'ai eu à tendre le micro à plusieurs personnes à ton sujet? Tu te souviens-tu? Oui, je crois. Avec de qui, par exemple? Franchement, je ne sais plus. 5 ans, elle a eu le temps d'oublier. Tonton Apalo. Tonton Apalo. Ah. Oui. Apalo Placide. Voilà. Ah, notre chef de famille. Bien sûr. C'est le chef de la collectivité Apalo. Il est toujours là. Il est toujours là. Très bien. C'est mon papa. Monsieur Yamelin. Tout pour moi. Monsieur Yamelin. Monsieur Brice Yamelin, un collègue à moi. Ben voilà, on va pas les citer tous, mais ce midi, moi j'ai prévu quand même que tu réécoutes quelqu'un, celui-là qui t'aide depuis tes premiers pas dans ce domaine. Je sais qu'il ne le sait pas encore, mais c'est une surprise. Fifi Fender, regardez. En fait, on s'est connu sur un projet d'une association, je crois, Marie-Rindo, où elle était là pour juste chanter quelques mesures. Juste une intervention de 30 secondes sur un projet. Et j'avais déjà remarqué le feeling dans lequel elle chante, sa belle voix, son beau timbre légèrement agressif. Voilà. Et nous, arrangeurs, guitaristes, on est maître derrière ces voix, parce que c'est des voix qui mettent en valeur et tout ce que nous faisons. Voilà. Que ce soit au niveau de la production musicale et tout. C'est une très belle voix, elle a vraiment de l'avenir. Moi, j'ai souvent du plaisir à travailler avec elle. Nous avons du plaisir à la recevoir ici aussi, nous avons du plaisir à la suivre aussi, sa belle voix et son beau timbre légèrement agressif. Ouais, on va écouter de la musique encore. Langue, langue, et ici, langue, langue. Si.
dans ma peau, je t'ai dans mon âme. Tu es ma drogue, mon espérance. Tu es mon bonheur, mon amour. Fais de moi des rêves, baby. Je t'ai dans ma peau, je t'ai dans mon âme. Tu es ma drogue, mon espérance. Je veux vivre avec toi, baby. Pour une vie de folie. Ici, laisse-moi te caresser. Non, ça chantait Langue Langue. Ouais, ça chante aussi de l'amour. Je l'ai dit pour commencer cette émission, tu es purement dans la musique désormais. Hein. Oui. Pas autre chose. Pas autre chose. Il y a beaucoup de projets qui ont pris par là depuis toutes ces années. Il y en a qui sont en cours. De quoi est-ce qu'on peut parler? Je sais qu'on va parler de l'actualité. Oui. Il y a une grosse actualité sur toi, Sugar Daddy. Depuis, lui à côté de toi dans Langue Langue, il s'appelle comment? C'est pas un Sugar Daddy. Celui qui t'accompagne, non, il n'est pas Sugar Daddy. Il n'est pas Sugar Daddy. En fait, je veux dire qu'il a été laissé tomber. Il est pour un Sugar Daddy. Oh, mais non, ce n'est que des chansons. Et puis, le Sugar Daddy, vous avez envie de le connaître? Oui, oui. Oh putain, c'est quelqu'un que tout le Bénin adore. Quelqu'un qui... Oui. Un papy national? Qui a un papy international. Ah bon? Bien sûr. D'accord. Vous allez le connaître tout à l'heure. Ben, on peut commencer par parler de lui. C'est le patriarche, celui qui a fait honneur à tout le monde au Vaudou Ndéhiseu dernier. Savourant, Danielou. Ah, j'avais son nom. Non, c'est un bon, c'est un croustillant, c'est un peu croustillant, comme on le dit. Mais avant cela, est-ce que ça te dit qu'on écoute Azanankwe? Oui, Azanankwe, comme tu l'as dit, après Langue Langue, il y a eu plusieurs de projets, notamment Azanankwe que tu viens d'annoncer, et plein d'événements aussi, hein, des concerts que j'ai eu à faire, des spectacles que j'ai eu à bien donner. Sûr. Je ne sais pas si je suis au côté de plusieurs artistes, voilà, oui, allez-y. Au côté du monument que tu viens d'annoncer, Savourant Danielou, au côté de King Vincent, qui m'a fait appel pour des prestations et tout, et plein d'autres. Ouais, moi j'ai bien envie qu'on écoute d'abord, avant Sugar Daddy, Azanankwe. Toujours de créativité, hein. Asa kando nuba emele no doywe.
tu m'en voudrais si on ne parle pas de cette actualité avant de partir d'ici. Rebecca aussi, ouais, oui, parce que je l'ai bien annoncé. Et puisque je vois le temps passer, il vaut mieux qu'on y aille directement. On ne finira pas de te connaître aussi. Il faut laisser quand même un goût d'inachevé. Il faut toujours avoir envie de te faire revenir toutes les fois. Alors, on va écouter Sugar Daddy. Mais avant, dis-nous comment ça s'est passé. Est-ce que c'est le Sugar Daddy qui t'a dragué ou c'est toi qui as dragué le Sugar Daddy? Oh, d'habitude, c'est le Sugar Daddy qui t'a dragué. Ah bon? Non, mais peut-être c'est votre cas. Non, mais dans en le général, contraire est possible. C'est ça, n'est-ce pas? Mais de toute façon, la chanson, elle a tout dit. Je sais quand même, en tout cas, dans le morceau, hein, ouais, et dans morceau. Ce contexte okay. uniquement, okay. elle est très amoureuse. Ah, ok. Oui, oui. D'accord. Et elle était même jalouse, c'est bien ça, je dirais. De son chemin. De toute façon, c'est un message d'amour que la jeune a eu à dire à l'endroit de cet amoureux-là. Et en guise de réponse, voilà, il a donné son avis. Vous allez entendre le mot de Papa Sagoua. Sugar Daddy, est-ce qu'on peut écouter? Sugar daddy comme moi et t'inquiète baby con Amagando kregbe nyen koton ton konte ba sofoya Akayendo ni da papa Dagbe jeno lono me Adame rosu anadu nous sommes vivi Oublie tes amis qui se moquaient de toi Et ignore tous ceux qui ne voulaient pas nous voir Sugar daddy La musique a toujours ce don-là de vous arracher ouais. un sourire quand vous Exactement. Écoutez ces paroles. Ouais. Franchement, donc, vous régalez sur la danse, la musique et en même temps sur les paroles. Bien sûr, un honneur pour vous, n'est-ce pas? Un grand honneur d'avoir collaboré avec ce géant de la musique africaine. Et d'ailleurs, je lui fais la révérence, comme il le mérite. Merci à Sagoura Danialou pour cette mail. Je sais que tu as envie de dire merci à quelqu'un aussi, Fifi Fender, forcément. Oui, Fifi Fender, qui est mon arrangeur, qui arrange tous mes morceaux. Merci, merci à Fifi Fender, merci à toute mon équipe et merci à Prodicom Inter qui me suit depuis toujours. Et merci à tous mes fans. Et voilà, je ne vais pas finir sans faire, sans avoir une pensée, une pieuse pensée également pour mon défunt père. L'adjudant Bokossa Henri. Paix à son âme, papa. Merci pour tout ça. Rebecca, vous l'avez vu, ce Sugar Daddy risque de faire mal aux jeunes. J'attends le clip. Oh putain. J'attends le clip. Franchement. Sugar Daddy, attention, il faut faire doucement. Pense à nous les jeunes. Non, il ne fera pas doucement. Il a bien dit dans les paroles. Il dit Enoda, Merosu, Bolonlevo, Dia. Non, tu ne peux pas avoir un Sugar Daddy comme moi et souffrir. Mais attention, Sugar Daddy, les jeunes sont là. Oh, pardon, déposez le tablier un instant. S'il vous plaît, les jeunes. Marcella Rossi, merci beaucoup. Et ici, merci pour la présence. On vous souhaite du courage pour la suite. Le plateau du rendez-vous de midi est votre plateau. L'OATB, c'est chez vous. Merci. Vous venez quand vous voulez avec Marcella Rossi, bien sûr. Et même sans Marcella Rossi, évidemment. Le morceau est disponible sur YouTube. D'accord. Sugar Daddy,
disponible clip, c'est pour sur quand le clip YouTube officiel très rapidement. Pour bientôt. Pour bientôt, d'accord, c'est mieux. D'accord, d'accord. Et c'est la fin de ce numéro de votre émission Le Rendez-vous de Midi. Merci pour votre fidélité à cette émission. Bon week-end à chacun et à tous. Bye bye. Il n'agira jamais dans le trouble avec papa Yuhiemi. Oh la hemi mawe we, wili minu mawili we, don't call him. Akaera ninze me, bulile bleu, aijeno, ocho bono, ajo online no. Mabushu kede.